les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On est donc le 20 juin et j'ai décidé de rattaquer aujourd'hui les summer vlogs. Pourquoi un jeudi? Parce qu'en fait, j'avais rattaqué lundi et j'ai tellement perdu l'habitude de vlogger que j'ai complètement zappé de vlogger les trucs les plus importants de ma semaine. Donc, c'est pas grave, on rattaque un jeudi. En même temps, c'est l'été demain, donc on peut pas être plus que dans le thème. Et je suis hyper contente de vlogger à nouveau pour tout l'été. Vous aviez vachement aimé l'année dernière. J'espère que ça sera pareil cette année. Alors, pour l'instant, c'est pas encore où on part en vacances. Donc bon, on verra ça dans les semaines à venir. Mais quoi qu'il arrive, voilà, il y aura plein de chouettes choses à partager dans la région, dans notre quotidien, etc. Et moi, en tout cas, j'ai très 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 hâte de passer l'été comme ça avec vous parce que finalement, j'avais beaucoup aimé moi aussi l'année dernière. Et voilà, bah, j'ai envie de vous dire, c'est parti! Je viens d'arriver mais ma copine n'est pas encore là. Je suis venue manger il y a pas longtemps avec mon père dans ce restaurant. On avait mangé vraiment tout en haut ici. Et en fait depuis l'année dernière je sais que le soir on peut venir là pour manger des tapas et boire des cocktails. Mais j'ai encore jamais testé. Donc là j'attends ma copine et on va tester ça. Juste au bord de l'eau, ça va être canon. Bon du coup on est arrivé au plongeoir et on se fait un petit cocktail avec ma copine Ambre. Elle, elle a droit à un cocktail sans alcool, pas moi. Mais moi j'ai pris du coup avec ginger ale et romarin, litchi, fruit de la passion, ça devrait être pas mal. On est vendredi, il est 16h15 et du coup j'ai travaillé toute la journée à la maison. C'est là que je me rends compte qu'il fait très chaud. J'ai travaillé toute la matinée à la maison et du coup à midi j'ai mangé rapido avec Steph. Et là je vais déjà chercher Louise parce qu'en fait aujourd'hui c'est la kermesse de la crèche. Et donc du coup on doit les récupérer un petit peu plus tôt pour après venir les ramener à 18h30 et du coup profiter de la soirée avec eux. Ici, t'as planté les plantes? On est samedi, il fait un temps de ouf, c'est trop bon. On va manger, Loulou? On va où aujourd'hui? C'est bon, Loulou? C'est pour moi? Oui. C'est pour papa aussi là. Tiens, pour le loup. Ouais, pour papa là. Pour papa? Il, fait, il la roule aussi? Loulou, c'était pour le tartiner le fromage? De Loulou, je vais Loulou a tout mangé. Coucou. Maman, elle fait du toboggan? Si tu veux. Oui. Elle fait le bruit, c'est trop drôle. Ça fait 2 minutes que j'entendais Louise dire bravo, bravo, bravo. Et en fait, c'est parce qu'elle a réussi à mettre sa chaussure jusqu'au bout toute seule. Pas les sandales dorées. Non, pas les sandales dorées, elles sont trop petites. Maman l'en a racheté, mais elles ne sont pas encore arrivées. Et celles-ci, elles sont quelle couleur? Camel. Quelle couleur elles sont? Camel. Camel, oui. On est en route pour la plage. On est arrivé à la plage, on a déjà joué au ballon pendant 1 heure, on a bronzé. Et du coup, Steph, il se prend un petit saumon avec du riz et moi, j'ai repris mon éternel burrata.
C'est un jeu? Oui, mon cœur. Du coup, on est reparti un petit peu plus tôt de la plage. Il faisait pas beau, enfin, il s'est mis à pleuvoir pas mal. Et du coup, tant que ça se découvre, on s'est dit que le loup allait être claqué, qu'on allait rentrer. Mais du coup, on est un petit peu déçus parce qu'on aurait bien profité un petit peu plus. Surtout que, franchement, il faisait un temps mais magnifique à peine une heure avant. Donc bon, tant pis. Je crois que le loup, ça l'a épuisé la plage. Hello, on est dimanche et du coup, j'ai passé une nuit pourrie. Louise s'est endormie à 16h30 hier après la plage. Et du coup, elle ne s'est pas réveillée avant 23h. Sauf qu'à 23h, elle est restée réveillée jusqu'à 1h du mat. Donc clairement, je suis un peu fatiguée. Et là, tadaan, elle redort dans la voiture. Non, mais regardez cette position, quoi. On est en train de monter à la montagne, du coup, vers Roquebillières. C'est un petit village qui est dans l'arrière-pays niçois. Et du coup, on va sur une base où en fait, il y a une piscine biologique et naturelle. Voilà, c'est une voisine qui nous a proposé de faire ça. Donc, on monte avec tous nos voisins. Et je pense que ça va être cool parce qu'il y a 4 petites filles qui ont entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc, à mon avis, elles vont bien rigoler ensemble. Il y a un petit garçon aussi. Et du coup, on va en profiter toute la journée et on va avoir chaud, je pense, parce qu'ils annoncent 30 degrés ressentis. Donc, en montagne, c'est assez rare. Normalement, il y a de l'air frais. Donc, ça va faire du bien de se baigner. Qu'est-ce que tu as acheté au supermarché ? Smarties, il n'y avait pas de M&M's. T'es vraiment un gourmand. Du coup, je me suis servi. Oh mince, j'ai failli tout faire tomber. Bon bah on est ravis, on a fait une heure de route, on vient d'arriver et en fait c'est fermé. Et sur le site, il n'y avait rien marqué. On a tous regardé et franchement ça a l'air cool en plus. Ça a l'air d'être un beau bassin et tout avec de l'herbe autour. Donc on reviendra cet été probablement, mais franchement les boules là. Il est midi, la petite elle va avoir faim. Et au final, on doit faire demi-tour parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le coin, je pense. 3 heures plus tard, on est toujours dans la voiture vu que c'était fermé là-haut. Et là, finalement, on va aller sur les rives du Loup à 10 minutes de chez nous, à peu près. Le seul avantage, c'est que Louise, elle est hyper sage. Elle a son livre et elle dit franchement pas grand-chose. On a assez de chance. Mais là, on en a marre. On a hâte d'arriver, de se poser et de manger. T'es contente d'être arrivée? Ouais. C'est quoi sur les côtés, là? Tu vois quoi? Non, c'est mon ballon. Ouais, c'est cette peau, Charlie. Je savais pas du tout. 1, 2, 3. Wouh! Essaye de pas te coller à Louis, si tu veux lui faire mal.